Mais au fait, elle est où, Pauline? Pauline, où es-tu, s'il te plaît? On est là, coucou! Au premier étage, montez! Vous y découvrirez trois artistes de la région, le très pointilleux et regretté Bernard Orange, le Saint-Lois Jean-Pierre Lefebvre pour sa lumière, et le Canet Laurent Bousquet, féru non pas de Bosquet mais presque. Il aime les haies et les croques partout, dans sa voiture ou au restaurant, bref, dès qu'il a un petit moment. Alors ce qui m'émeut, c'est d'abord son existence, qui est rattachée à l'histoire, qui est millénaire. L'existence des haies est millénaire, l'espace a toujours été découpé. Après, elle s'exprime en fait avec des densités différentes suivant les saisons. Elle est à la fois transparente et à la fois un obstacle. Et c'est un petit peu comme ce que l'on ressent dans les choses, c'est-à-dire l'envie effrénée, l'émerveillement et en même temps la douleur. C'est-à-dire l'incapacité de franchir quelque chose. Il y a une lecture globale de l'œuvre, à une certaine distance de l'œuvre, visuelle, le côté esthétique. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approche, on découvre une multitude, une infinité de détails qui nous font entrer dans l'œuvre, au cœur de l'œuvre et surtout au cœur de l'art même de Bernard Orange, qui nous transmettait toute sa part d'humanité. Alors cette exposition, on peut la voir où précisément et jusqu'à quand ? Alors cette exposition est visible jusqu'au 30 janvier prochain à la galerie Art Culture France, 2 avenue du 6 juin. Et c'est à Caen.